Bonjour mes amis, je suis Suriel Cruz et je voudrais vous inviter à nous rapprocher en ce qui concerne l'apprentissage et la découverte du français. On commencera avec une série de vidéos qui ont l'objectif de motiver et faciliter le rapprochement de la langue aux personnes intéressées pour son étude. On ne sera pas limité aux débutantes, aux débutantes ou même utilisateurs expérimentés. Bien au contraire, le but c'est d'enrichir cette série vidéo avec la contribution et les connaissances de tous les participants. Pour commencer, j'aborderai les sujets les plus inquiétants pour la plupart des étudiants, s'agissant à propos de la difficulté apparente qui représente l'apprentissage du français. C'est-à-dire, les personnes veulent toujours avoir une référence linguistique de départ, en général à partir de la langue maternelle. Dans notre cas, bien sûr, avec l'espagnol. Sous ce rapport, je toujours leur ai dit, si tu parles espagnol, tu le feras de même en français. Et en plus, avec une vitesse incroyable. Parce que j'adore enseigner le français en parallèle de l'espagnol. Bref, elles sont des langues sœurs, il faut bien profiter de cela au maximum. Ensuite, une autre chose que des fois m'inquiète, c'est que la majorité des étudiants pensent que la prononciation du français est belle. Et je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, si c'est vrai que les personnes aiment la sonorité de la langue, des fois ils hésitent même à essayer de la reproduire. Autrement dit, les personnes ont peur de se tromper. Même les filles en particulier pressentent une apparente difficulté pour reproduire les sons gutturales. Tout cela représente déjà une difficulté en ce qui concerne l'apprentissage, l'enseignement de français. Bon. De cette manière, on commence avec cette série vidéo en espérant de vos commentaires, doutes, contributions, etc. pour favoriser l'apprentissage du français depuis notre point de vue en tant que Mexicain. Merci et à la prochaine!